Salut, bienvenue sur l'épisode 2. On est sur le chemin des Stevenson, le GR70, avec Valentin, Aurélia et Julia. On va regarder sur l'internet mondial. Ouais, grave. Qui campe le mieux dans le monde? Qui campe le mieux, c'est les Allemands. Je crois que c'est les Canadiens, non? Québécois? Oh, les Allemands, ils sont pas loin. Ouais. Non, parce que. Deutsch, quand ils parlent. Non, mais tu sais que mes parents, ils ont un truc de ouf, le Québécois. Genre, ils ont pas mal de camping, enfin, ils connaissent des Québécois, je veux dire. Et c'est. Ils ont un grippin de camping. What? Et le griffin comme ça, tu peux l'utiliser, non? Ah oui. C'est trop pratique, c'est sûr en fait. Non, tu peux l'utiliser, là, je sais pas. C'est juste, tu le mets sur le gaz, c'est juste une barre de fer là, avec un peu un des trucs à l'ancienne. C'est trop stylé. Ouais. 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 Je ne déchire pas sur le. Attends, là, il y a trop de bruit, on t'en peut rien. Les extraits musicaux que tu vas entendre sont issus d'une soirée avec Gwen, Sony, Jeanne, Valentin et Aurélia et moi-même. Good, changement de pile. Changement de pile, yo-yo, pile. Pile change. Vas-y, monte! Non, en fait, c'est ça. En fait, avec Marc et le Pompidou. Vas-y, attends, je vais la modifier. Tu vas la modifier? Ouais, on peut pas dire. Ah, il va être là. T'as dû le ranger, c'est vrai. Ok, ça va. Oh, bah, tu vois, moi, je suis content qu'on ait réservé. J'ai toujours fait comme tu vas. Du coup, faut qu'on est ça avant 19h, mais je pense que ça va. Nous sommes au Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean? Et je pense qu'on est pas loin de chez mes parents. Je sais pas. Ah, c'est hier, on a dit Saint-Jean-du-Gard avec toutes les voyelles et consonnes. Attends, voyelles. Saint-Jean-du-Gard, dans ce jeu du but. C'est Gilgui, c'est Jagada. Ça c'est le langage. Tu sais plus comment ça s'appelle si, ça? Bah si, c'est le degue. Je degue, pendant gant, ce degue, que degue, tu degue, et degue, je degue, lidigui, adaga. Je pense que tu es Julia, j'en dis. Putain, c'est dur, attends. Ah, tu rajoutes des degue en rime avec la voyelle que tu as faite. Par exemple, je, ouais. Ça rime en e, ouais. Donc tu rajoutes degue. Je degue. Mais bien. Si tu veux le dire après, je suis, ou suis, ça rime en lui, donc lidigui. C'est super dur, ça rallonge. Je degue, suis digui, odogo, redegue, liadaga. Ah purée, c'est casse-tête de ouf. Quand tu parles vite, t'es censé retenir que le début du coup. Et supprimer tous les autres, très vite. Mais c'est un langage, personnellement pour moi, c'est un langage d'enfant pour mes parents comprennent pas. Ah oui? Non, on parlait comme ça des fois, c'est des étrangers. Là où mes parents ils apprenaient l'anglais pour pas qu'on nous entende, mais en fait, on a dit faire ça avec ma soeur. On faisait ça avec. Oh non, on faisait ça avec les parents de Bouquetin. On a écrit notre alphabet. Putain, ça c'est classe. Et ça c'était chouette. Ça c'est très classe. Et les bâtons, en fait, ça ressemble à un alphabet très nordique. Très norse, tu sais. C'est des bâtons maqués. On avait tout un système. En fait, c'était un alphabet qui était basé sur les bâtons du cœur. Donc en fait, c'était des trucs genre. C'était déjà tellement perché et spirituel enfant. Peut-être. Oh, les fruits et légumes. Non, on va prendre une truc parce qu'on a l'impression que c'est pris parti. Ouais, est-ce que je prendrais pas une carte postale pour ma grand-mère? On aura une carte pour les parcours. Quoi? On aura des cartes pour les parcours. Ah oui, mais on en prend ça, est-ce qu'on prendrait pas une maintenant et on l'envoie demain? Moi je l'ai dit, mais je pense que je préfère prendre une carte en gros, je l'envoie direct de l'endroit. Ouais, je pense que ce soir. Hein. Ça t'étienne du truc là. Hein. Ah bah le super, il est juste là. C'est alors. Ça va être le moment le plus exotique de notre voyage. De quoi? Bah, ouais, c'est clair. Regarde. Si tu fermes les yeux, t'as du porc, si tu ouvres les yeux. Et t'as singe, je crois. Tout à l'heure, on faisait ça dans les voitures montées. Et genre, on prenait la. Une vidéo en même temps. On était à deux, on a dit vraiment, c'est bien. Mais tu sais que nous, c'est vraiment tout nous a marqué un moment. Et la nuit, ça s'arrête en fait. Ouais, enfin. Et touché par le bruit de la signale, et là. Ouais. 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 Voir dans l'hygiène. Voilà. Ok. On se retrouve une bouteille à gaz. Ah ouais, j'ai vu. Ah ouais. Ça me fait trop rire, je voyais l'ouvrir des pages avec des vieilles statues pourries. C'est une histoire quoi, et moi je décroche automatiquement. Non, c'est pas du tout narratif quoi. Je décroche automatiquement. Oh, j'ai un peu. L'école des licornes, en tout cas, il y en a un sacré rayon. Les Thanatonautes. C'est vrai? Non, ok, celle-là. Ah ouais, l'édition est plus récente que la mienne. Le verdict du plan, l'enquête de Mike, de Mickey, allez, on est à gauche. Jacques Expert. C'est pas les livres qui font les plus envie, hein. Ouais. On sent qu'on est pas dans ce jeu. Il y a pas des auteurs que je connais. J'ai envie Dan Brown. Ah, mais si, Dan Brown, c'est trop bien. Ce mec qui fait des musicals, c'est que des trop bien. Ah ouais? C'est toujours avec un personnage en plus. Bon, on a cherché en vain un réchaud. Non, une bombe à gaz qui serait adaptée au réchaud qu'on a, mais on trouve pas. C'est bon, j'ai trouvé. Ah, sur internet. Mais bon, bref, on a fait plusieurs magasins à Saint-Jean-du-Gard. Et puis là, on est sur un petit col trop beau. Et on sait pas trop ce qu'on va faire parce que ce soir, c'est la pleine lune. Du coup, on réfléchit au rituel qu'on pourrait faire. Peut-être dormir à la pleine lune. Ou.
Voilà. C'est en x2. Non mais ça c'est pas possible. Non, regarde ces vidéos en x2. Alors je regarde uniquement les vidéos où j'ai besoin de chercher une information précise en x2 parce que souvent les mecs ils sont trop chiants. Genre ouais, du coup, ouais. J'ai trop la peine de me taper tout le discours, du coup je trie. Là c'est une 2 minutes qui a duré 4 minutes. Exactement, non mais je suis d'accord, non, avec mais ça, c'est... On va y aller désespéré. Ouais. Le jour, ce contenu cassé. L'autre jour j'ai regardé un truc sur l'utilisation des bâtons là, ouais. Le premier soir. Et à un moment j'ai fait mais attends mais tu regardes enfin une minute. Oui, oui. Non mais je comprends tout à fait. Non mais des fois c'est pas que des vidéos comme ça, c'est des vidéos de quoi. Certaines vidéos, je sélectionne les vidéos qui sont pas intéressantes à regarder enfin. On a toujours pas croisé d'âne. Choqué déçu. Mais on s'est dit que peut-être que les ânes se transformaient en êtres humains. Voilà. Pas de boulot, pas de diplôme. Pas même le chute que tu mets dans tes mots. D'accord, de vocal. Je peux parler que comme ça. J'avais un collègue qui parle aussi vite, c'était effrayant. Ah ouais. Et moi dans ma famille, du côté d'Angers, il parle vite, un peu comme ça. C'est vrai que là, c'est bien, on sent que... ça le rend hyper... Ça le rend vraiment hyper genre nerveux, quoi, comme ça. C'est hyper drôle. C'est une coupe glacée au marron, je crois. C'est bien, ouais. Ça. C'est une variante de la coupe ardéchoise. Et du coup, donc c'est de la... y a du marron. Ah non, c'est en fait justement, la coupe ardéchoise, bon. C'est avec de la crème de marron, et la coupe Sévenol, c'est avec de la glace à la châtaigne. C'est leur bon. Et c'est tout. Il y a que de la glace à la châtaigne. Glace à la châtaigne... Ouais, et de la chantilly. Je suis curieuse quand même. Mmh. Bah, faut que je prenne ça, t'as envie. Oh, belle et belle. Je crois que la poire d'Hélène, bah, forcément, comme le nom l'indique, c'est à la poire et à la vanille. Oh, c'est la quoi, poire d'Hélène. Ah, c'est connu ça. C'est le moment où on quand j'étais petite. C'est une poire avec du chocolat. Ouais. C'est Et la banane, j'essaie plein de faire du chocolat. Ah bah tu vois un peu comme ça. Ah, c'est sûr que ça donne envie. Oh là oui, c'était très cool. Ça, il doit jamais dire comme ça. La coupe martinet. Toi, tu vas prendre une coupe particulière? Oh non, je pense pas. J'ai envie de vanille et de caramel. Je suis trop fière ça. Est-ce que tu... Non, je sais pas. Pour la fin, ma grand-mère apprenait ça à chaque fois. C'est sorbet, c'est trop. Ah, on ouais, ma grand-mère adorait ça. C'était sa seule folie de toute sa vie. Ah ouais. C'était vraiment dans la coupe colonel. Je regarde la coupe martinet. Je tombe sur des martinets. Oh non. Je tombe sur des vrais martinets. Ah oui. J'aime pas trop les glaces avec de l'alcool. Et ben moi j'aime bien, avec le rhum. Je pensais comment ça s'appelle la rivière où on est allé se baigner là. C'est pas le Méguel. Le Gardon. Ouais. Garde là pour le faire le refaire. En fait, j'ai les tout en travers. J'ai pas que de chi sur la guitare. Sorbet à la mangue, sorbet à la noix, du coco, du curaçao au bleu et du coco chocolat noir. C'est quoi le curaçao au bleu? Et c'est le truc qui sert dans les alcools pour les rendre bleus là. C'est les schtroumpfs. C'est le petit qui est la plus facile et rapide à préparer. C'est joli. Bon, ouais. Beaucoup de couleurs. Je sais pas si je suis convaincu. Alors, la Sévenol. Ouais, grave. Prends la Sévenol, Julien. Est-ce que je peux prendre la coupe? Instant ASMR, ASMR. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre la coupe Sévenol? Merci de me l'indiquer en MP. Moi, je pense que Julien va prendre la coupe Sévenol. Se laisser tenter par un magnum. Et moi je pense que Valentin va se prendre une bonne coupe colonel. Remplie de
voir internet, sur internet. Bah ouais, j'étais curieux. Alors qui a pris quoi? J'ai pris vanille caramel. J'ai pris pistache noix de coco. J'ai pris rhum raisin pêche. Quel est le choix que vous auriez fait? On accepte. Allemande. Combien d'un paquet? Je n'ai jamais eu grand chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. L'aventure n'est pas terminée, d'autres épisodes arrivent. Un reportage réalisé par Aurélia Thomas et ses compères. Tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent que tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça ne peut marcher dans la boue.